Alors, sommes-nous prêts aujourd'hui? Je suis très, 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 très prêt! Salut à tous, bienvenue sur Geek World, je suis Carboom. Je suis Scar. Et on se retrouve pour la partie 2 de notre séjour à Sushiria. Master Chef, ou le pire chef de tous les temps. Ah non mais papa, là, il va être ravi de nous avoir laissé son magasin de sushi. Il va dire, il va revenir, il me dit, mais qu'est-ce que t'as foutu? Il lui dit, j'ai fait de l'art. J'ai expérimenté, connard. J'ai créé un nouveau genre de cuisine. La stuff all you can food. Oh, elle est sexy celle-là. Oh yeah. Blueberry tea. On aurait dû lui mettre ça en fait. Mais sur les sushis. T'imagines si tu cuisines le truc devant lui et qu'il regarde le machin et qu'il fait qu'est-ce qu'il fout. Alors c'est, là c'est, tu vois, c'est une hippie ça. Ça sent la hippie. Alors. Je veux un thé à la myrtille. Oh ouais, bah la totale. Tu moi veux je... toutes mes sauces. Moi je veux bien lui donner la totale, y'a pas de soucis. Alors du riz blanc. Ouais, alors un riz brun et un riz blanc. Oh yeah, you like my rice. Oh yeah. J'adore la musique de jeu. Pa-la-pa-pa-pa. Le pire c'est que je risque de jouer à ce jeu de tout seul maintenant. Fun en fait. Bah ça peut faire un let's play hein. Il est débilement con ce jeu, mais je le trouve super fun. Non mais c'est ça. Est-ce que je réussirais à faire de ce resto le meilleur sushi shop de tout Tokyo Paris? Mais parce que c'est Tokyo Paris hein. Ouais. Tu peux complètement faire un narratif dessus. Complètement. J'ai décidé d'enculer ce critique. Attends. Oh oh Laurie. Mon dieu! Monsieur Spock! Laurie! Yes, I believe no permanent damage was done. Et le concombre. Arrête, maintenant, à chaque fois que je veux de l'avocat, j'ai envie de rigoler. Ah oui, non, mais là, on lui a mis la dose d'avocat. Tu l'aimes, ton avocat? Je te mets 0 points! Je m'en fous, parce que t'allais en mettre 15 de toute façon. Le B. Elle veut le B. Et oui, les Anglais ne comprendront pas, mais nous savons ce que ça veut dire B. Nope. En fait, quand je vois ça, je me dis c'est une sauce de bouillon de ramen ou un truc comme ça. C'est probablement ça. Ou en fait, c'est juste de la moutarde, c'est juste qu'ils ont mis une image bizarre dessus. Oh là là, 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 oh là 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 là. T'as, là, vas-y, mais qu'est-ce qu'ils font dans la cuisine, le chef? Oh putain, yes. Double étoile, mec. Ah non, mais quand t'es motivé avec le client, hein, ça change tout. La cliente. Alors, la balance diététique. Hey, Zoé. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Oh, oh yeah. Bonjour. Quand est-ce que vous êtes arrivé? Sortez de mon restaurant. Alors, est-ce que l'un de vous veut du riz brun? Vous avez intérêt parce qu'il aura du riz brun de toute façon. Demande du riz brun. Connard! Ah bah, t'auras du riz brun. Que tu le veux mieux. Non, c'est Chuck. Chuck, c'est un de nos meilleurs clients. Faut ouais, bon, bah, on va lui préparer du riz blanc. Faut le pouponner celui-là. Allez, deuxième riz blanc et un riz brun, du coup, parce que là, du coup, on va devoir jeter celui qu'on a. Ouais, faut mettre. Ouais, c'est chiant. Hop. Flip it. Ça devrait faire une belle chanson, ça. Flip it. Comme Billet. Flip it. J'ai jamais connu le reste des paroles de cette chanson. Personne n'a jamais connu le reste des paroles. Même ceux qui prétendent que c'est des menteurs, ils inventent les paroles en fait. Elle veut du beurre. Du pixou. Non, mais c'est du beurre. Hein. En fait, je sais pas. C'est vrai que ça pourrait être un pancake. Hein. Non, mais c'est des lingots de beurre ce truc. 88 points, sois honnête. Ouais. Order Station, histoire de voir s'il y a de nouveaux clients. Do you want to give me your money? Yes. C'est encore Bruna! Oh yeah, du brun! Merde, je crois qu'on a fait deux blancs. Bah, c'est pas grave. Non, on a fait un brun. Hey, salut connasse! Oui, non, je veux dire pas là. Non, allez, elle a l'air gentille, on va lui faire. Allez, on va lui faire. Elle a des lunettes de tresseur. Faut quand même à un moment donné faire les plats. Ah, oh, il est joli! C'est une recette qui est très jolie. Le bagel qu'on avait pris à la Comic Con. Oh, bacon bagel quoi. Trop bon. Tellement bon. Alors, elle veut blueberry. Oh. Ah, je repense en plus du coup à au truc de au resto burger Hollywood là qu'on avait été. Oh là, c'est quoi le nom déjà? Le TGI. Ouais.
Voilà. TGI Fridays, voilà. TGI Fridays. Là, on voit que c'est quelqu'un qui a géré à Sushiria qui a fait ça. Tellement bon ce nombre. Alors, Lisa Simpson. 86 points. Bisous. Flippette. Du concombre. Parce que c'est bon pour la peau. Des carottes, parce que c'est bon pour la digestion. Non, c'est bon pour être gentil. Et de la sauce, parce que c'est bon pour ta mère. Tu devrais dessiner la tête de Tressor avec la sauce, ça plairait à celle qui a la lunette. Oh, j'ai fait de l'ADN par contre avec la sauce. Ah, j'avoue. La sauce. Ça me rappelle comment t'as chargé la sauce pour l'autre. Ah, mais le mec. Le mec, je suis désolé, il avait l'assortiment de tout. Hein. En fait, là, c'est le mec avec les deux barres. Hop. Voilà. Bah, on lui laisse le riz avant, ouais. La barre, la feuille. Il y a beaucoup de mots pour dire feuille. 90 points. Ah, mon dieu, tu as fait un ADN. C'est trop bien. Même s'il est entièrement coupé en fait cet ADN, donc en fait il ressemble plus à rien. Mais... les bêtes. Elle veut du homard, c'est tout. Madame, I like it simple. Simple but rich. Like your mama. Tu veux le yum yum? En fait, c'est la sauce des Ewoks. Yum yum! Yum yum! Yum yum! Yum yum! On va manger les Stormtroopers! C'est peut-être ça qu'ils font cuire au festin après. Bah, complètement, hein, ça a été prouvé par plusieurs images. Les casques sont vides, tu vois, qu'ils préparent un banquet et vous allez bouffer un solo avant. Et les rebelles sont tout contents. Ouais, il y a de la viande à ce repas, elle vient d'où? Yum yum! Et là, t'as le Ewok qui regarde en. Imagine déjà un duo qui te sourit comme ça. Bah j'imagine très bien, ça s'appelle le Holiday Special. Attends, Akari. Alors Tressor, ne déçois pas. 86. Oh, on n'a jamais eu un aussi gros score avec un closer. En même temps, Tyler, on n'a pas trop fait pour. Tyler, on lui a dit d'aller se faire foutre et le premier, on a raté son sandwich. Est-ce qu'on va pouvoir engager un serveur? Ah, si on engage un serveur, il y a de la progression. Est-ce qu'on va pouvoir engager un serveur? Blueberry Buddy, attention. Continue. Bon, là, il y a les jeux. Ah, je m'en joue à 3. Oh, les spots. C'est quoi ça? Alors, ça, c'est un jeu de golf. Donc, en fait, attention, il faut que tu l'envoies ici. Moi, la première fois que connement, j'ai cru qu'il fallait que je tape dans les petites baies. Généralement, j'ai pas réussi à le faire en un coup, mais en deux, c'est relativement jouable. Bon, ça va, la flèche est généreuse. Oui. Tu dois aller là. Un panel shirt. Ah, que je dois porter pour mon prochain panel. Ah, ça peut être intéressant peut-être cette tenue pour la prochaine fois. Oh, j'ai vu ce truc-là. Ouh, faut que tu tapes peut-être pour choper le petit couloir de la mort. Nope. Ah, oh, c'est rentré. Double boogie, ouais. Boogie baggy boo. Bah, j'ai quand même gagné $1. On te paye pour jouer au golf, c'est bien. Est-ce que je peux me tenter celui-là? Tu vas y aller, mec. Allez, allons-y. Nope. Bim, bim. Ok. Passe juste au-dessus. Ouais. Juste au-dessus. Ouais. Là. Délicatement. Oh, oh cette pute. Oh, oh, oh cette pute. Tu vas me dire. Non mais ce déplacement de l'enfer. Tu vas avoir un boogie, je pense. Double boogie. Bah pareil, on a fait le même score. On se couche. Et $1, hein. Oh, tu as droit à un coworker. Alors, est-ce qu'on fait Carboom? Non, allez, fais une partenaire, allez. Homme une partenaire? Ouais. Allez, une serveuse. Une serveuse. Comme ça, du coup, il y a toi pour attirer les clientes et il y a elle pour attirer les clients. Bah écoutez. Ou l'inverse. Je sais qui est-ce que je vais faire, moi. Je crois que je devine. Ouais, alors on va faire... Allez. Un truc à la Padmé, écoute. Voilà, et je te propose que ce soit notre dernière journée, qui soit la première journée de notre serveuse. Du coup, histoire de lui mettre le stress. Ça va être la première journée, et attention à finir là-dessus. Alors si tu te foires, ce sera ta faute. What are you saying to me, man? What are you saying to me? En rythme. Comment qu'on va l'appeler? Alors, Mathilda. Moi j'ai eu Mathilda aussi dans la tête. Ah, parce que transmission de pensée, je sais pas. Mathilda. Mathilda, tu travailles maintenant avec Score. Et t'as pas le choix.
Ah, j'ai cru que c'était aussi un serveur, ça. Ouais, non, tu vois, ça stresse parce que tu as la même pause. Du tofu. Oh, bordel, on va attirer les vegans. Deuxième blague anti-vegan dans deux épisodes différents. J'adore la tête qui... Hello. J'avoue que... Yeah. Ah, take order. Alors, elle en a pris un. Oh, elle veut la spéciale Orange Roll. Comment qu'on fait ça? C'est quoi l'Orange Roll? Stop. Cookbook. Donc c'est canard, donc non, flip c'est... it, homme avec riverain. Attends, il faut qu'on la note celle-là. Oh là là. Eh mais c'est dégueulasse cette manière de faire. Moi je m'en suis arrêté au moment où je commençais à introduire les spéciaux, donc j'en ai pas encore fait. Mais... Merde. Papier. Papier, chenelle. Ça, très bien. Derrière. Alors, homard, alors flip it, alors brun. Attends, orange brun. Roll. Parce qu'ensuite on en aura plusieurs. Ouais. On est obligé de prendre des notes, n'importe Allez, quoi. Allez, vite, non, vite. C'est du brun. Back to game. Oh my god, la sauce tu l'as mise? Non. Put the special sauce. Putain, souris. Souris. Sauce. Oh non, mais attends, mais tu vas pas me faire chier la souris là. Sauce. La sauce de Hulk. Coupe, 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 coupe. Regardez-moi cette maîtrise du couteau. Oh ouais. Alors Olivia, do you like it? Pourquoi t'as des olives dans les cheveux? Parce que ça s'appelle Olivia. Cette question me l'a fait plaisir. Flip it. Draw. Alors flip it. Flip it. Ensuite il me semble que c'est homard, puis homard. Carotte. Homard, puis carotte, puis carotte. Surimi et sauce canard. Est-ce que j'ai bon? On roll. Tu sais que ça? Non, tu me... Non, ah oui, non, ça c'est pour voir la recette, on s'en fout. On s'en fout. On l'a déjà. Le surimi. Surimi, il est où? C'est là? Voilà, tu l'as. Hop, et la sauce canard. Et le canard. Canard sauce, canard WC. Wouh. Oh putain. Le mec a du canard WC en bleu sushi. C'est mal. Bah, ça, je crois que j'ai complètement oublié mon riverain. Il doit être en train de cramer depuis le temps là. Oh merde. Orange roll. Ça donne plein de points. 134 points. Ouais, il est mort, mon rire. Oh merde. Ouais, non, non. Ouais, c'est pas grave, t'attendras encore plus. Order. May I take your order, you. Oh, c'est ma sauce. Oh, bah, elle veut du blanc. Forcément. Alors, toi, tu les aimes blancs, hein. C'est dégueulasse. Nous sommes des personnages immondes. Est-ce qu'on met un deuxième riverain? Parce qu'on a quand même beaucoup de riverains, hein. Allez, on va parier dessus. S'ils me sortent un riz blanc, mais je tue des gens, quoi. C'est une raison pour laquelle on ne peut pas travailler dans la restauration, bah, savoir pourquoi les chefs ne veulent pas nous embaucher. Oh, pourquoi il y a cette gueule? Parce que j'ai oublié le cœur complètement. Ça n'avait pas cette gueule-là quand je l'ai... Oh, c'est intéressant. C'est dégueulasse. Putain, décidément, les riz blancs, on a fait mal à Alors, ça va, mon sushi? Ta gueule, je fais cuire ton riz. C'est quoi? Bah, on va commencer par ce. Bah, d'abord, faut... D'abord, faut celui-là. Et de toute façon, j'ai bien fait de pas le faire parce que je suis en train de complètement oublier de laisser cuire en fait. Oh là là. Il commence à être désespéré de moi. Le papier, non. Oui. Roule. Ne vous inquiétez pas, je maîtrise. Le TS. Oh. Le mec, il va commencer à s'impatienter, tu sais. Alors, c'est bien le sushi? Non. Je fais cuire ton riz trop fort 4 fois. Ta gueule, c'est parce que le condensé professionnel, je t'ai pas mis du riz brûlé. Hein? T'imagines quand même dans une pizza? Alors, c'est bien notre pizza? Oh, ta gueule, c'est parce que j'ai cuire trop longtemps 4 fois. Hein? Miam miam. Miam miam. Ok. Cut. Ouh, je pense que c'est la gueule de ce closer de merde. Qui nous a fait gaspiller le riz brun? Tu sais comment ça coûte le riz brun? Bah rien du tout, mais j'en ai gaspillé 5. Blague à part, en fait, le riz blanc en général ça met quelque chose comme 10-11 minutes à cuire. Le riz brun en met généralement 20. Parce que c'est généralement du riz complet en fait le riz brun. Ou ça peut être autre chose, mais généralement ça a quand même un temps de cuisson beaucoup plus long. Ce qui veut dire que en fait, basiquement nous avons fait poireauter quelqu'un pendant une heure puisqu'on a fait gaspiller 4 riz bruns. Mais nous sommes des professionnels. Ce qui fait que nous préférons faire patienter quelqu'un pendant 40 minutes, alors là 50%, boum. Mais 84 points quand même. Merci de m'avoir donné ce que j'aime. Bon, ça vient? Oui. ma commande est pas de... Non. Eh. Mais c'est vraiment flippant ce truc.
Ok, il veut rien d'autre lui? Non, parce que c'est un faible. C'est un faible. Running, la la la, running and making some sushi, I am failing. But the seagulls fuck my sushi, not fun. I should say her. Stop it now. Making some weird tea with some of these blueberries. Oh mon dieu. But the seagull, they poke my eyes. Oh. I say the seagulls, stop it, fuck my life. Oh putain, c'est quoi ces 3 étoiles? C'est service client ça? J'en sais rien. Putain, et en plus avec un 65 points de merde, tu sais, le mec, je n'ai pas aimé votre petit rap. Alors par contre, le cul de notre serveuse, ça t'a aimé, hein? Connard. Et c'est ainsi que Scar et Mathilda se sont mariés pour faire plein de sushis ensemble. Donc, eh bien, nous nous arrêtons sur cette journée, sur cette première journée. Est-ce que Scar continuera les aventures de Scar et Mathilda tout seul? Ou est-ce que ce sera la fin de ce sushiria qui arrêtera à cause d'une intoxication alimentaire? Du mec d'avant, là. Qu'est-ce que pense sur justice? Ah bah, America, hein, il peut faire des procès. Bah vous savez quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même la garder, voilà, dans les marque-pages. Papa Sushiria. Fun game de ma life. Voilà. Hop. Je pense que je ferai une série dessus parce que ça me fait bien marrer quand même. Merci Carbon d'avoir fait découvrir ce jeu. Eh bien, avec plaisir. Voilà, donc on trouve des petites perles comme ça de temps en temps sur le net. C'était rigolol. Moi je vais m'amuser à faire des sushis de l'enfer encore pendant un certain temps. Je conserve avec précieusement cette recette du sushi du Orange Roll qui rapporte tellement de blé. Mais donc, mes chers amis, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous sur cet épisode. Carboom, est-ce que tu auras un prochain Carboom Flash qui sortira prochainement? Effectivement, il y en a un qui est prévu, qui n'est pas encore tourné, mais j'ai déjà le jeu pour. C'était également un platformer de l'impossible. Donc voilà. Ça encore, qui me fasse jouer à des jeux de Flash, voilà. Des jeux Flash comme ça, moi je dis aucun souci. C'est fun, c'est fandard. C'est gentil. S'il me donne par contre un platformer dans l'impossible, je lui enfonce sa tête dans l'ordinateur là. Je lui fais manger le sushi de l'enfer. Sans l'avoir coupé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aimez un sushi particulier. Si vous voulez nous voir tester une recette. Si vous voulez nous voir enfourner le sushi qu'il faut pas, encore une fois, un closer. Et n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous, Discord, Facebook, Twitter, YouTube. Je pense que c'est déjà pas mal. Et bon appétit. Ciao. Ciao tout le monde.